Bonjour à tous. Donc je suis, pour ceux qui ne m'ont pas vu encore, Christophe Quintin. Donc je suis inspecteur en chef à la SN. Quelques chiffres clés pour resituer le volume de l'inspection. Donc c'était 11 inspecteurs ASN, 9 accompagnateurs de l'IRSN, 2 inspecteurs belges donc, qui ont participé aussi, donc ça fait 22. L'inspection s'est déroulée sur 11 inspections thématiques et les plaisirs ne venant jamais seuls, on a fait finalement la tradition, une inspection et une opinée de nuit. Donc je vais vous restituer les principaux éléments de conclusion de cette inspection en essayant de rendre ça vivant. Stéphane Dupic. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue donc sur la centrale nucléaire de Gravelines. 6 réacteurs, 900 MW. Les premiers réacteurs ont été coupés en 1980. Aujourd'hui, donc, je suis pilote de cette inspection. Je laisserai tout à l'heure les collègues se présenter et puis indiquer les sous-thèmes qu'ils piloteront. Tout d'abord, vous rappelez le thème général de cette inspection. C'est management de la sûreté et respect de la documentation de maintenance et d'exploitation. Bonjour à tous, c'est l'émetteur en transporteur de tonnes des 3e PE pour les autos LCC001TB. Donc, le défaut, on n'arrive pas à le trouver. Donc, les nouvelles recherches côté conduite nous ont amené à écrire un petit mail qui vous a été destiné. Donc, on a besoin d'assistance sur cette analyse pour pouvoir continuer à trouver cet isolement sur LCC. Et là, vous êtes que sur du chiffre. C'est pas ce qui est écrit dans les procédures. On les a lus, on avait vu autre chose. Excusez-nous pour le retard dans la mise en route. On est en train de débriefer de tout ce qu'on a entendu dans la réunion précédente, c'est pour ça. Je m'attendais à autre chose. Il est écrit que dans cette réunion-là, on discute et on valide certaines positions par rapport à des fiches de progrès. Et donc là, j'ai vu une présentation qui était totalement chiffrée, sans éléments techniques. Tous les mois, on fait les relances. Ça, je peux vous montrer. Ce qui me chagrine, moi, dans l'affaire, c'est qu'en fait, bon, on a vu votre mail de relance. Mais c'est une affaire qui traîne depuis 2 ans maintenant. Hein. Et donc, en fait, l'impression qu'on a, c'est que votre réunion RMPAC mensuelle, il y a un moment, il faudrait qu'elle change de braquet. Parce qu'on est dans le cas où le service n'a même pas accepté de prendre en compte, de prendre en charge le dossier. Ok, merci beaucoup. Bon, pour le matin... On a une réunion où s'ils ont quelque chose à dire, ils doivent réagir sans forcément avoir le fond. Chacun s'exprime pour faire part de ses observations et il n'y en a pas. J'aimerais bien avoir les éléments saillants de ce que vous avez vu. Je commence par moi, peut-être. Enfin, par nous, d'ailleurs. Toujours mieux servi, par soi-même. Si je résume de façon un peu caricaturale la chose, il y a un gros boulot qui est fait, qui amasse une tonne d'informations, de documents. Il y a un pilotage, ça bosse. Par contre, c'est un pilotage qui est très quantitatif et qu'après, quand on commence à creuser qu'est-ce qu'il y a derrière l'indicateur, là, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a examiné tout ce qui est GPEC et noyau de cohérence conduite. Donc là-dessus, ça a été un peu laborieux. Quoi. Ça a été un peu compliqué. On a eu du mal à se comprendre et notamment, enfin, on a compris pourquoi. C'est que ils n'ont pas aujourd'hui de cartographie de compétences qui est réalisée côté service conduite. Donc globalement, ils mettent quand même des choses en pack. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'outil.
Par contre, en termes de suivi de tendance, ils n'en font rien. On se retrouve à l'entrée des RX, là. Et le capteur, c'est le 6ST. Il y a deux... Ça peut être une température haute générée par le 4ST ou une température basse générée par le 6ST. Là, en l'occurrence, on n'a que la température basse qui est attaquée. C'est les essais qui sont intéressés, Colin. Oui. Ouais. 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 Enfin, c'est la SN qui a demandé, donc c'est forcément important. Mais en fait, c'est une... ils ont créé un sorte de repère, on voit, fictif, avec un libellé, par contre, qui explicite bien ce qui est demandé. D'accord. Ça, c'est mal fait. Donc, j'aurais fait la remarque. Ouais. C'est intéressant. On va voir comment le bicré. Ouais, on va passer juste. Dans l'ambiance. Ouais. Ceux-là, ils sont en premier. Ah, mais pourquoi ça, c'est... Ah, vous pouvez prendre le support. Je pense aux platines d'ancrage. Je pense que les deux phénomènes sont liés. Hein, on trouve des traces de corrosion jusque là. Là, c'est encore la platine. Hein. D'accord. Ici. L'état général, il est surprenant, quoi, de premier abord. En fait, il y a des corrosions qui sont vraiment actives, avancées, et ça a pas l'air de les choquer. Et moi, ça m'étonne que ça les choque pas. Enfin voilà. Si ça casse, bah, la tuyauterie sèche, elle casse. Et ça vient inonder les galeries tout de suite. Quoi. Du coup, est-ce qu'on pourrait voir le cahier de car par rapport à la problématique d'expansion sur le tube là ? Donc c'est l'expansion basse. Voilà, à la position 2 à la place de la 1. Donc vous avez commencé à expanser en fait, celle du bas au lieu de celle du haut, c'est ça ? C'est lui qui a écrit. Voyons, Sam, quels sont les temps qu'on comptait ? On met pour les grands. Non, c'est parce que la porte, elle était en manutention, donc les déchets pouvaient plus être évacués, donc on a dû les garder pendant un moment, c'est ce que... Depuis combien de temps la porte est refaite ? 15 jours. 15 jours, ouais. 15 jours. Et pourquoi ils sont toujours là, alors ? Oui. Alors on vous dit, non, on veut pas de vos déchets, et vous dites rien. Alors, quand je vois là sur le matériel, décision UTO à venir, quand est-ce que l'UTO a été interrogé ? Est-ce que quelqu'un les relance régulièrement ? Donc ça finit séché là, c'est ça ? Il y en a pour des millions d'euros là. Donc si je le mets à la poubelle, ça va faire mal là. Ah oui, ça va. J'ai le droit de mettre à la poubelle, c'est marqué déchets dessus. Ah oui, c'est sûr que ça prend des déchets, ça. On est tombé sur 4 aires grillagées qui sont prêtées à des métiers au sous-sol de la laverie. Donc j'aurais dit vérifier au rapport de sûreté que les locaux d'entreposage sont dans la démonstration de sûreté. Ils y sont pas. Donc aujourd'hui, au niveau point fort, concernant l'intervention de manchonnage. J'avais déjà fait une inspection l'année dernière, donc j'avais des choses un peu particulières à revoir, notamment le programme de surveillance. Donc cette année, il était bien documenté, bien justifié. Maintenant, point faible, on est allé voir donc, le stockage des GV de remplacement pour la 5. On a noté deux égratignures du vernis pelable. Alors c'est gros comme l'ongle, mais on voit qu'il n'y a plus de vernis.
Et donc ça, ils nous ont dit, ah bah oui, on l'a vu il y a un mois, mais bon, c'est pas tracé. Et c'est corrodé, hein. Tout est là-dedans. Hein. Ils ne contrôlent pas l'hygrométrie du bâtiment. Ouais, bah après, ils ont... du vernis pelable. Si ça commence à gagner sur le vernis, moi, je ne sais pas ce que ça va donner sur le revêtement. Donc, après, ils ont une procédure à respecter. Vernis, ils y vont. Hein. Bah, on applique la règle. Allez, donc on commence par suivi du pack. Non, c'est des constats. Hein. C'est pour ça qu'on va se demander si on ne doit pas modifier le titre chapeau général. Bon, on va l'écrire comme ça, alors que... Enfin, on leur a dit les EIS, vous les gérez bien, par exemple, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Non, mais un EIS, c'est pas un signal faible. Ça dépend comment tu causes. Ah, par moi, c'est un signal fort. Mais... Okay. Par cohérence, voilà, ça ne change rien. Moi, on discute, mais je l'ai mis. Il y a des choses que tu as pu prouver. Il y a des choses que tu ressens. Et à ce moment-là, faut dire que tu ressens, tu peux pas dire que tu l'as prouvé. Donc c'est pour ça que je me laisse sans doute. J'ai mis les inspecteurs ont unanimement apprécié la disponibilité des personnels, voilà. Leur transparence, la recherche rapide des réponses aux questions posées, donc ça ouais. Hein, et leur appétence pour l'amélioration continue. Bonjour à tous, donc je suis, pour ceux qui ne m'ont pas vu encore, Christophe Quintin, donc je suis inspecteur en chef à l'ASN. Globalement, notre impression est positive. On a été très impressionnés par la compétence des agents du site. Donc on a vu que le site avait plein d'idées pour améliorer ses pratiques. Et petit bémol, hein, c'est que donc les idées c'est bien, la mise en œuvre concrète et réussie, c'est ça le but. Et c'est, là, vous n'y êtes pas encore. Donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Et ce qu'on a noté, c'est que donc, l'état des installations parfois est très bien, parfois est sous l'attendu, fortement sous l'attendu, hein, sous la station de pompage en particulier. Donc là, c'est un effort collectif des agents et des prestataires d'ailleurs. Donc voilà l'appréciation globale. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Merci. Hein. Oui,